Pour conclure ce chapitre sur l'allocation dynamique, il me reste quelque chose à vous dire. Tout d'abord, nous n'avons pas tout vu sur le sujet. Euh, la présentation que je vous en ai faite est relativement partielle. Je me suis restreint à ce qui était nécessaire et suffisant pour les besoins de ce cours d'algorithme et structures de données 1. Dans ce cours, toute l'allocation dynamique se fera exclusivement à l'intérieur de nos structures de données. Mais nous ferons attention à le faire proprement, c'est-à-dire que nous offrirons toujours des garanties faibles en termes d'exception. Donc, que soit le no new, soit les constructeurs des éléments que nous stockons dans les structures de données euh, lancent des exceptions, dans tous les cas, euh, nous garantirons que la structure de données reste destructible. Nous offrirons quand c'est possible des garanties fortes, c'est-à-dire que s'il y a un problème lors de l'exécution de n'importe laquelle de nos méthodes, on espère retrouver la structure de données dans l'état où elle était avant qu'on appelle la méthode. Par contre, en dehors de nos structures de données, dans le code qui les utilise, nous nous restreindrons strictement à faire de l'allocation automatique. Donc ce que vous avez vu jusqu'à présent dans le cours d'Inf1 et d'Inf2. Alors, il y a un certain nombre de choses que nous n'utiliserons pas et que donc je n'ai pas vues. Euh, il y a toute une approche possible à plus bas niveau que celle que nous avons vue, qui consiste à utiliser les instructions euh, du langage C, qui sont évidemment disponibles en C++. Il s'agit de malloc, calloc, realloc, free, etc. Euh, ces instructions, vous les verrez dans le cours d'INF2, mais je ne veux pas que vous les utilisiez à aucun moment dans le cadre d'ASD1. En ASD1, nous ferons strictement du C++. Une autre notion de bas niveau que nous n'avons pas abordé, c'est la notion d'alignement. Euh, il est parfois préférable que les entiers soient alloués à une adresse qui est un multiple de 4, que les doubles soient alloués à une adresse multiple de 8, et des choses comme ça. C'est une notion de très bas niveau qui ne nous intéresse pas non plus dans ce cours. Une notion de niveau légèrement supérieur à celui que nous avons vu, c'est Standard Allocator et Standard Allocator Straight. Alors, si... En étant très courageux, vous allez voir dans le code des différents conteneurs de la STL, vous verrez que toute l'allocation dynamique y est gérée avec Standard Allocator ou Allocator Straight euh, ou des versions réimplémentées par l'utilisateur de ces allocateurs. C'est une couche intermédiaire juste au-dessus de la couche que nous avons vue avec New Delete, Operator New et New en place. Alors, ça vous fournit des, des méthodes telles que allocate, deallocate, construct, destroy, qui essentiellement appellent les méthodes que nous avons vues juste en dessous. Euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne voyons pas euh, allocator. D'une part, ça ajoute un niveau de complexité. Euh, ça vous fait une chose en plus à apprendre, ce qui n'est pas spécialement nécessaire ici. Et par ailleurs, le, ces classes ont passablement changé entre les différentes versions du C. Et donc, ce serait difficile de, de vous apprendre du C++11 qui est plus valide en C17 euh, ou du C17 que vous ne pourrez pas compiler sur la plupart des machines parce que vous n'avez que du C11. Donc nous avons renoncé à cette approche. Enfin, à beaucoup plus haut niveau, euh, il y a ce qu'on appelle les smart pointers. Alors jusqu'au C11, euh, donc en C98, on, on avait un seul qui s'appelait AutoPointer. Hein. Et puis depuis C11, il y en a trois Unique Pointer, Shared Pointer et Weak Pointer. Alors, ça, ça vous sera extrêmement utile, euh, mais plus tard, euh, quand vous ferez de la POO, en particulièrement au cours de POO2 pour les IELTS, mais aussi au cours de GEN en partie pour tous les autres. Les, les weak pointers seront absolument cruciaux quand vous commencerez à utiliser la, la notion d'héritage en orienté objet. Parce que si vous voulez pouvoir utiliser toutes ces notions d'héritage, de surcharge, etc., en, en orienté objet, en C, vous êtes obligé de travailler de manière beaucoup plus large avec des pointeurs et beaucoup moins avec des variables automatiques. Et une fois que vous faites ça, vous avez besoin d'une infrastructure plus puissante. Pour gérer la l'ownership donc qui possède une ressource et en particulier qui est responsable de la libérer quand on l'utilise plus alors le plus simple de ces smart pointers ce sera unique pointer euh, il est assez facile à la base il vous permet de faire ça euh, vous créez une nouvelle variable de type c avec new euh, vous la stockez dans un unique pointer et quand le unique pointer sortira de scope eh bien, il l'appellera tout seul le destructeur. C'est vraiment la, la version la plus simple euh, de la, du concept RAII. Euh, c'est un, une variable euh, de type unique pointer qui est simplement responsable de détruire le pointeur qu'elle possède euh, en sortant de scope. Alors, pour garantir que l'ownership est bien unique, euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous n'avez pas de constructeur de copie pour un unique pointer. Donc vous ne pouvez pas copier un unique pointer. La chose, chose que vous pouvez faire, c'est le déplacer. Donc ça, c'est la, la base. Mais nous n'allons pas les utiliser. Vous les verrez en détail en PO2. Share pointer et weak pointer sont encore plus compliqués. Donc là, je n'en parle même pas. Si ces concepts plus avancés vous intéressent, vous pouvez aller euh, voir euh, de quoi il en retourne sur CPP références euh, mais c'est sans doute du matériel un peu trop avancé à ce stade. En pratique, nous, ce que nous allons utiliser, alors pour toutes les structures de données que nous écrirons, nous ferons des constructeurs euh, et des opérateurs d'affectation, euh, toujours par copie, parfois par déplacement. Euh, pour les listes chaînées et les arbres, donc la moitié du chapitre 4 et tout le chapitre 5, nous utiliserons exclusivement les instructions new et delete pour créer les maillons de nos chaînes et les nœuds de nos arbres. Et pour ces structures-là, nous pourrons normalement toujours offrir des garanties fortes sur toutes les méthodes que nous écrirons. Pour les tableaux redimensionnables, qui feront l'autre moitié du chapitre 4, là nous séparerons la notion d'allocation et de construction. Et donc nous utiliserons opérateur new et opérateur delete, ainsi que le new en place et l'appel explicite au destructeur. Euh, il nous arrivera aussi d'utiliser les moves sémantiques sur les éléments. Euh, un tableau redimensionnable, de temps en temps, on doit déplacer les éléments d'un ancien tableau à un nouveau tableau de plus grande taille. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de les déplacer et pas de les copier. Et nous offrirons des garanties fortes quand c'est possible, mais euh, ce n'est pas toujours facile de le faire, et parfois le faire aurait des conséquences en termes euh, d'efficacité. Et donc, dans certains cas, nous offrirons des garanties faibles. C'est d'ailleurs ce que fait Standard Vector, hein, qui est le tableau dimensionnable le plus utilisé dans la STL. Euh, par contre, nous n'utiliserons pas du tout le new euh, avec crochet et le delete avec crochet, qui ne nous servira pas dans ce cours. Voilà. Ça conclut ce chapitre sur la location dynamique. J'espère que ça a été relativement compréhensible et que les laboratoires vous aideront à maîtriser mieux cette matière.